Ce truc. Bonsoir la VOD. Ce soir, nous sommes sur Among Us en compagnie de Romain Grosjean, Mister MV, Domingo, DG, Gomard, Ponce, Ultia, Bagarra Jones et DFG. Mais c'est mon casque. Bonsoir. Alors attendez, je vais baisser un peu le son de votre côté. Et je vais essayer d'éloigner le micro. Quelle vie. Ou on le kick sinon. Le coup dur. J'avoue. Merci l'hélicoptère pour les 16 mois. Et nous allons commencer. Merci Romain en tout cas. C'était vraiment cool. C'était bien. Merci ergonomique pour les 7 mois de sub. Pour un pilote de Formule 1, t'es pas rapide. Aïe aïe aïe. L'ambiance est déjà délétère ce soir. Ah non, c'est dégueu. Sur l'ambiance. Ah oui, non, vraiment, c'est terrible. Hein. Ah, vraiment. C'est la petite famille, cette équipe. Ah, on est, ah, c'est la petite, ouais, c'est ça, ça marche. Ouais. La famille. Ouais. L'amour vache, quoi. La mif. Ah, tout à fait. Est-ce que tout le monde est prêt ou pas? Oui. Bah, écoutez, si vous êtes prêts. Non, c'est bon. Si vous êtes prêts, venez en bas à droite de la. Venez en bas à droite. Il nous a à chaque fois. Énorme. Mais non, mais c'est comme. Parce qu'il y avait. En fait, pense, c'est parce qu'il y avait personne en bas à droite et du coup, je veux pas refaire une montée, tu vois, qui était déjà là-haut. Domingo. Tout à fait. C'est bon. Let's go. Incroyable. Let's go, les gars. Allons-y. Et ben, GL. Bonne chance à toutes et à tous. C'était raccoon pour les 8 mois. Et c'est les mots only. C'est un excellent moment sur cette game. De même. Et c'est parti pour du Among Us, les amis. Un jeu vidéo de qualité. Trop hâte que la nouvelle map sorte, en vrai. Bien joué. Déjà les lumières. On ne perd pas de temps, j'ai l'impression. Personne les remet ? Pardon. Je vais tomber sur un cadavre 100% dans quelques instants. Et non, il y a Ponce et... C'était Bagarra, je crois. Oui. Ponce est en vert, du coup, oui. Il y a Bagarra, Ponce, DFG. Bagarra, Ponce. Mhm. Rire de droite. Ok, Bagarra, Ponce, DFG, tranquille. Parce que moi j'ai un chat dans la gorge. Connard de virus, hein, comme on dit, bien sûr. Ah, oh, mais non, c'est les coms. Ça, c'est un move de pro, ça, c'est DFG. DFG 100% les coms, ça. Hein. Ouais, DFG. Gomard qui fait des allers-retours à nav. MV qui rentre à admin. Domingo DFG. Domingo DFG JDG qui rentre à nav. Bag. Non, Ultia. Tranquille. Il y a beaucoup de monde à navigation là. Hein. MV qui danse devant la caméra. DFG JDG qui ressortent. Domingo aussi. Gomard aussi. Romain Grosjean avec Ponce. En train de se faire des bisous. Oh, Ultia qui a eu un petit bug, hein, bien sûr. Ultia... Ah, merde, c'est qui? C'était Rose qui rentre là-dedans? C'est MB, non? Mais qui sabote les coms comme ça, là? Bon, je vois rien au cam. Ça me saoule. Je vous le dis tout de suite, ça me saoule. Je savais que les coms sabotaient CDFG, hein. Faut que je le garde en tête, ça. Faut pas que je le dise à haute voix. Ça me saoule. Je vais même pas avoir le temps de finir cette merde qu'on va trouver mon cadavre, quoi. Merci Nekoskill pour les 8 mois. Tout mou pour le sub. Deova78 pour les 6 mois. Merci beaucoup. Pas mort au cam GG. Effectivement, les cams qu'on appelle effectivement mon tombeau, généralement. Putain, mais personne trouve mon cadavre en fait. Tout le monde s'en fout en fait. Ah non, ça, ça va. Voilà. Merci. Je suis le seul mort. Laissez-moi deviner, il était aux caméras. Écoutez, avant toute chose, je propose de tuer des FG et ça suffit. C'est vrai qu'au bout d'un moment. Bah pourquoi? Bah t'inquiète pas depuis bon, le début. C'est bon, je... Ah. Oui. Allô? Ah, j'ai des copycats. J'ai eu un problème sur Discord. Excusez-moi. Notre premier ministre est dans le couloir menant de la Medbay à Upper Engine, entre les rires de droite au okay. À gauche. Là, il y avait les portes qui étaient fermées de toute cafétéria depuis un petit moment.
Ouais, oui. Moi j'ai croisé à un moment DFG qui venait de là où sont les caméras et il y a toujours un gros écho, Jean, Romain. C'est ok, c'est ok. Attends, je vais essayer de repasser en mode écouteur, mais... Alors attendez, bougez pas. Après, moi, moi j'ai un mauvais sentiment sur Vas-y, Domingo, Morgan, perso. Pour les 7 mois, The Batter pour les 3 mois, Sigma pour les 16 mois, j'ai passé beaucoup Winter de temps pour les 11 mois. Domingo, il a nous à tour. On en discute juste après, mais... Règle de ce problème et reviens nous voir. C'est vrai que j'ai vu Domingo qui naviguait à vue un petit peu. Domingo qui faisait des allers-retours, ça je l'ai constaté aussi. J'ai envoyé du lourd niveau quête. J'ai envoyé du lourd et je t'ai vu faire toutes tes quêtes à droite aussi, JDG. Oui. Plus de tout à l'heure, j'en vois là. Je t'ai vu faire 2-3 allers-retours, ça prouve rien après. Mais, voilà. Le pire, c'est que je dois avoir une info en réalité, peut-être. Parce que les portes de la cafétéria sont beaucoup coupées. Moi, j'ai fait quelques allers-retours parce que je suis allé Medbay, je suis revenu cafétéria. La première fois, j'ai croisé Ultia qui partait de la gauche et on s'est croisé à cafétéria, mais je pense pas que le corps était déjà là. Parce que Antoine était tout du long. Non, je l'avais laissé vivant, ouais. En plus, je l'ai vu moi. Et les caméras étaient vu Antoine de toute façon. En dernier quoi. Mais en fait. J'essaie de me souvenir si j'ai. Moi je l'ai vu juste en début de round, mais je l'ai pas vu depuis. La même vidéo. C'est juste que j'ai vu JDG devant les tricots. À chaque fois, là c'est des grosses games d'Among Us en ce moment. Peut-être Rukam, non ? Je suis jamais allé à gauche moi. Je suis jamais allé à gauche non plus. Ah, la dernière personne que j'ai croisée dans le coin, c'est Bagheera. Elle a dit je l'avais laissé vivant effectivement. Ouais. Merci Pronox pour les 9 mois. Après la tuer, c'est DFG. C'est pas impossible que DFG ait fait un kill au niveau de Medical, qu'il ait enfui de vent vers les caméras et qu'il soit redescendu vers Electrical là où je l'ai croisé. Non, parce que j'ai vu. Merci Oris pour le sub. Merci beaucoup. Ah, ok. Est-ce que le kill est vieux à votre avis ? Non, à mon avis, il est récent parce que quand j'ai fait mon scanner, il y avait les caméras. Et j'imagine que c'était Antoine qui était. Qui était aux caméras du coup là ? Tout du long caméra. J'imagine que c'est Antoine, non ? À la fin du round. À la fin du round, il y avait pas les cams, on est d'accord. Il y avait pas les cams ? Ouais, les cams se sont mettés. Je suis quasiment sûr que quand je suis arrivé sur admin, il y avait les cams, mais peut-être les cams étaient quasiment. Et aussi souvent quand MV danse devant les caméras, c'est qu'il est innocent. J'ai décidé, je me suis dit ah tiens, c'est sûrement Antoine qui est mort là-bas en sachant qu'il y a une vente en haut à gauche aussi. Bref, on peut skipper. Oui. Il y a eu Romain, c'est vrai qu'Ultia a dit elle m'a laissé vivant, mais bon. En tout cas pas sur ce kill. J'ai pas Après Ultia elle est tout le temps suspecte. Donc Je suis gentil. Merci à Xaeline pour les 3 subs offerts à la communauté. Très généreux de ta part, merci beaucoup. Alors, attends. Souvent, c'est des gros joueurs qui sabotent les coms. Et parmi nous, il y a vraiment un très gros joueur, c'est DFG. Meilleur joueur de France, on le rappelle, bien sûr. Admin... Merci Ministi pour le Prime. Ministi, pardon. Ministi. Merci beaucoup. Romain, il est AFK, il s'occupe de son stream. Bah écoutez, celle-là, on va dire, raconte pour du beurre. Pif, pif, pif. Merci Mélon Penem pour les 3 mois de sub. Merci beaucoup. Et moi, j'ai fini mes tasks après, hein. Ok. Mais écoutez, on va suivre DFG, hein. Qu'on est bon, là. Ouais. Ça, c'est bien un truc de DFG de vouloir split les gens. Il était full à gauche, il les envoie full à droite. Je pense que si Domingo était avec lui, il l'aurait tué. DFG qui va là-haut. Y'a qui d'autre là-bas ? Ouais. Ils sont tous paqués, c'est terrible. Il me reste une quête, non ? Ah bon ? Non. Non, non. Non, oh là, la Bagheera va y passer. Ou sinon, ou pas. Ah non, si Domingo était pas passé, elle serait dead. Merci Epsilonia pour les 5 mois de sub, Batchok pour les 4 mois. Ferme la porte. En bas à gauche ? Ah si, j'ai un petit truc effectivement. Mais elle est pas indiquée sur la carte. Rire de droite. Ah, c'est étonnant ça. Bah, non, j'ai pas à le faire. Ça doit être un bug visuel, je pense. Je pense que c'est un bug visuel. DFG. Ok. Compliqué pour lui, hein. Oh ! Ok, bah oui, évidemment, Ultia. Qui m'avait dit je l'ai laissé vivant. Faudra que je le dise ça tout à l'heure. DFG qui ressort au cam. Okay.
Mais Gomar, je l'ai vu il y a deux secondes. Mais c'est alors, oui, pour les trois mois. Tu vas les bombas pour les deux mois. Les deux Bad corps, pour les messieurs, mois. Dames, étaient les deux. Hein, étaient au niveau de light, vraiment là où on remet les lights. Ah, donc il y a eu un double kill, c'est quasiment sûr à l'instant même sur Gomar et Bagheera. MV, t'es parti où après admin? Après admin, en fait, quand on était à la table d'admin tous les deux, j'ai vu qu'il y avait deux storage, donc je suis juste descendu pour aller voir. J'ai aperçu Gomar qui justement traînait en haut de storage, et quand il y a eu les lights, moi j'ai commencé à y aller, je me suis dit non, ça pue, et j'ai bien fait visiblement. Oui, ça puait vraiment. Et je suis retourné à admin quand ça s'est réparé, il y avait Domingo à la table d'admin, enfin juste au-dessus. Et toi, t'es parti où du coup? Parce que je t'ai pas revu à la admin. Moi je suis parti, je voulais aller dans Medbay pour récupérer ma fiole, je me suis coincé dans le cafétéria. Voilà, MV qui raconte sa vie, il est innocent. Voilà. Et après ça a saboté là, et c'est genre bon bah je vais pas y aller. Et Ponce, donc tu reportes, c'est quoi les conditions? T'as rien vu? Non, bah du coup les lights se sont éteintes. Moi en gros j'ai terminé toutes mes quêtes, donc à partir de maintenant je la joue un peu safe, etc. Là je revenais vers les lights pour voir au cas où ce qui se passait, et j'arrivais, il y avait littéralement deux corps à l'endroit des lights. Merci à FI pour les 5 mois. Voilà. Qui a et du coup, j'ai. À mon avis, c'est eux. Et t'étais où avant ça, Ponce? J'étais sur la gauche de la map. Et j'ai d'ailleurs. Et c'est là où on s'est laissé pour la dernière fois. Je maintiens quand même. Je maintiens un gros doute sur Domingo qui, ne parle pas beaucoup. Je suis assez d'accord. Et qui fait vraiment des mouvements encore une fois bizarres. Ah là, GDG troisième imposteur. Faire des mouvements. Des mouvements de bon ouvrier. Oui, c'est le truc. C'est que, en fait, le problème de PA que j'ai, moi, c'est qu'en fait, le premier round, je l'ai vu faire des tasks électricals. Et ce round-là, je l'ai des objets qui sautent sur l'occasion. Alors, peut-être ça, que ça déjà, pas, ça, pas fini, ça déjà, moi je suis perdu, je savais pas qui c'était, mais je suis pas allé électricole du tout, je suis pas allé sur la partie gauche de la map. Pas pour les 3 mois. J'étais avec Ponce et avec Romain, enfin pas tout le temps, mais on était sur le côté droit. Dans ce cas, je peux dire la même, JDG, t'avais fait les astéroïdes le round d'avant, et là je t'ai vu sur le téléchargement à droite des astéroïdes, et j'ai trouvé ça très louche sur la partie droite, donc... Mais parce que ce sont deux tâches différentes. Et non, cette non-optimisation... C'est pas faux. Oui, mais on s'en fout de l'opti. Ah mais parce que là j'essaie de... Plusieurs il est pas doué JDG, mais qu'est-ce qu'il est hot. Je pense que ça va passer quelque chose, même si JDG m'a coursé dans les couloirs, donc j'ai eu peur des fois, mais il m'est rien arrivé. Moi j'ai peur de DFG. Je peux... Ouais, moi aussi j'ai un peu peur de DFG, et juste Ultia, c'est-à-dire on s'est vu à gauche tout à l'heure, on s'est vu où? Eh bien, on s'est croisé au niveau de la salle à gauche, là où tu faisais la task hyper longue. Moi je pense qu'on peut... Non. On s'est vu sur la droite et milieu de la map. Je pense que tu devais faire la task en question. Alors, comme ça, Domingo et Ponce, c'est pour vous avez ça que la DFG. Non, alors pour le coup, moi j'esquive. Mais pour le coup, parce que là je me suis pas beaucoup défendu, mais vraiment, c'est full safe, il me reste une seule quête qui est à gauche. De toute façon, il reste très peu de quêtes. Hein. Je pense reste... que... okay. Faut foncer les quêtes. Ouais. Oui, moi c'est on fait. Peut gagner, on peut gagner. Gaffe au double kill quand même. Ok, DFG, Ultia. On va les suivre. Enfin, on va en suivre les deux. Bah, tenez, on va suivre Ultia un peu. Ouais, oui, ils sont ensemble de toute façon. Est-ce qu'ils vont le faire? Non. Moi, je suis sur Ultia. Oh, l'hésitation est présente. À vérifier s'il y a personne là-haut. Non, si. J'ai cru qu'elle allait tuer Domingo. Patrick Balkany, merci beaucoup Skeleton Lover pour les 5 subs offerts à la communauté. Très généreux de ta part, merci beaucoup. Merci Icemanatom pardon, pour les 9 mois de subs. Cyberpoulette pour le Prime. Axailin pour les 3 mois. Merci beaucoup. Bon alors, que va-t-elle faire? Oula. Elle s'arrête pour saboter? Oh non. Généralement, Ultia, elle s'arrête quand elle veut saboter. Voilà. Ah oui, c'est des FG, c'est bon. Ah, DFG qui sort de là. Oh, il y a eu un kill par ici, le kill de Romain, personne au cam. Oui, la flèche, c'est un bug d'affichage, vous inquiétez pas. Ulti à DFG. Wow. Ok, c'est exactement ce que je pensais. J'ai pensé à ma survie. Ouh. Ouais, j'ai joué survie aussi. Moi, alors... c'est pas PA, c'est sûr. Voilà. C'est pas PA, c'est sûr. Effectivement, je vous ai vu coller ensemble tous les deux. On a passé le round ensemble et en vrai, on s'est retrouvé dans des situations bloquées tous les deux. Okay. Non, mais même. C'est Wilkier pour les 5 mois. Topo très vite fait. Il est morceau réacteur sur O2, je pense. Comme ça, c'est clair. Première alerte réacteur, moi j'étais resté près de cafétéria parce que je chantais la couille vu que tout le monde allait à gauche. Je suis allé faire tout de suite l'oxygène en haut et je me suis barré en bas pour ne pas me faire cueillir. Je fais le tour, je reviens à la. Il raconte sa vie. Je vois qu'il y a deux personnes. Après, il est très bon.
pour ça. Il retient bien les trucs et tout, mais c'est vrai que là, du coup, c'est typiquement un move d'innocence qu'il fait. Les portes de la cafétéria se ferment. Juste avant, j'ai croisé Ultia qui arrivait à admin. Les portes cafétéria se ferment et je me dis, ça va redonner le cooldown. Je vais me faire cueillir, donc j'ai fait tout le tour et j'ai trouvé le corps de Romain. En effet. Tout le tour par le haut. L'oxygène de deux. Tout le tour par le bas, storage, shield, machin. Alors, en complément, justement, MV, moi, je t'ai vu partir et je pense que t'as fait un signe à la caméra quand t'es parti pour bien montrer. Prenne navigation, ouais. Et je sais pas si t'as vu, mais derrière, il y a DFG qui est sorti 2-3 minutes, même pas. Enfin, pas 2-3 minutes. Je me prends un vent là. Après toi. Donc, je sais pas, oui, toujours plus. À navigation O2. Il sortait de. En gros, MV, t'es sorti, tu t'es montré à la cam. J'ai dansé devant la caméra à gauche de navigation, en effet. Et genre, DFG a pop 5 secondes après en sortie d'O2. Donc, On m'a vu passer devant, je suis allé voir dans la navigation s'il n'y avait pas un kill. C'est vrai que c'était sur l'admin de base. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait un kill soit. Ouais, parce que c'est sûr qu'il y avait quelqu'un à la caméra, en effet. Oui, que quelqu'un d'autre est allé à O2. Oui. Mais à la caméra, moi j'y suis passé, il y avait personne. Non mais si il y avait PA, je suis allé check navigation. DG, j'ai compris que tu me détestais, mais quand même là c'est. En fait, le truc c'est que. En fait, moi je suis parti sur l'admin au début, et en fait j'ai vu qu'il y avait genre un point qui bougeait pas réacteur pendant un petit moment. Je pense que quelqu'un a dû faire un Simon. Et il y avait un point sur navigation qui bougeait pas aussi. Donc je suis allé voir navigation, et quand je suis arrivé à navigation, il y avait personne. Et donc du coup, je suis revenu à l'admin. Et à la fin, je crois que c'est Ponce que j'ai revu à l'admin, un truc comme ça. Et Domingo, quand il est au et cam, il si... y a quelqu'un avec lui ? Il y a Ponce avec moi. Oui, il y a moi. Visiblement, ils avaient Ponce, je les ai croisés tous les deux. Et si c'était une masterclass d'Omi Ponce et ça expliquerait le doublé ? Moi, je pense que ça va venir dans la soirée. C'est marrant parce que j'ai innocenté Romain quand même au début. ZJWOM 62 pour les 9 mois. À mon avis, dans les deux, il y a forcément soit PA, soit JDG de toute façon. Il faut absolument voter parce que s'il y en a deux et si c'est double kill, on perd. Moi, pour moi, les deux plus suspects dans tout ce qu'on vient de dire, c'est Ultia et DFG. Moi, je commence à. Pourquoi ? Après la danse au calme, t'as pas vu DF quoi. J'ai croisé Ultia. Moi, je mets DF. Non, c'est une erreur. Vous allez voter JDG. Votez JDG. Mais pourquoi moi ? Non, parce que c'est forcément PA ou JDG. Oh bien ! Pourquoi ? Pas sur ce kill, parce qu'on s'est croisé à gauche. C'est Ultia. Ultia JDG ou Ultia DFG, mais il faut mettre des preuves, ça marche pas comme ça la justice. Si peut pas. Allez, on regarde Ultia. Rire de droite. Oh. Compliqué cette histoire pour eux. Merci Axeline pour le sub tier 3 offert à la communauté, merci beaucoup. Pourquoi ça a pas fait le range du Yokalaga? Well, I don't know. Ultia qui est dans la sauce là. Si jamais les morts doivent aussi faire leur quête pour pouvoir terminer, si jamais. N'est-ce pas Romain ? Très compliqué hein. Hey, let's go, les gars. Oui, monsieur. Bah, PA, on n'a pas vu la même chose. Ah bah, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en gros... On n'a plus trouvé JDG? Ah bah déjà, il y a... Et moi, je suis à côté d'MV. Non, je vous répète en boucle le fait que j'ai une quête.
Ce n'est pas une quête, c'est un bug visuel, la flèche jaune que vous voyez en bas à gauche, là-bas. La flèche jaune, c'est un bug visuel. J'ai fini mes quêtes. Navi et tout ça. Et en gros, il y a Ultia qu'on voit en remonter en haut, monter vers Weapons quand nous on descend, PA et moi. Et on se balade un peu, mais on reste un peu sur place avec PA. Et au final, on la recroise en bas après. On oui, te recroise en bas, Ultia. Ouais, bah je vous cherche, je suis pas. Si, si. Si, si, j'ai. Si, tu sous-entends que. Monter le son de MV ? Bah, c'est vraiment. Ça s'était passé vraiment 10 secondes après, quoi. Même non, pas non, j'ai pas du tout Vent, pense. Pas du tout. Ah, c'est lui, c'est moi, j'ai un gros doute, de toute façon, c'est. Bah, j'ai vu, puis revu. Moi, j'étais sur le marquage serré de JDG à un moment. Ouais, moi, vous me faites flipper en fait avec. Parce que j'ai peur d'un duo Ponce-Domingo qui attend un double kill. C'est pour ça que. Bah là, JDG. Et là, un kill et c'est gagné. Moi, un je kill me demande fini, si là. C'est pas une. Très bon flair, Fred. Mais non, un kill et c'est gagné. J'aurais pas on record, veut faire la game la plus longue du monde. Moi, j'ai plus trop de doutes, mais vu qu'on a eu bon sur DFG et qu'il reste genre 2-3 tâches, moi, j'ai skippé. Mais... Bah, alors, dans ce cas-là, c'est Ultia. Hein. Si c'est. Je vois moi, je pense MV que j'ai un gros doute sur Ultia, quoi. C'est clair. Bah, moi aussi, mais bon. Bah, on skip et. On peut, moi j'ai skip. On peut, mais il faut vraiment faire ses tâches, quoi. Ouais, mais. Il vous reste des tâches ? Non, non, c'est non, moi c'est fini. Les vivants, je crois qu'il reste. D'accord, donc c'est les fantômes. Je voulais faire le petit. C'est les fantômes, donc ok. Oh, pardon. C'est ouais, fais les. Restez cordial pour l'instant. Ah, bah oui. Rire de droite. Merci The Serenity of Suffering pour les 6 mois de sub, merci beaucoup. Mais comment elle fait pour rester en vie, quoi? Là, elle s'arrête pour saboter. Ah non. Souvent, en fait, Ultia, mais je lui ai dit la dernière fois en plus, elle s'arrête pour saboter. Merci du Yoran pour le Prime. Ça va push le bouton? Je viens de voir Ultia devant moi pendant que les lumières étaient en train de s'éteindre, tuer PA. Voilà. Bon, bah ok. C'est non. Absolument pas moi. C'est toi Patrick Balkany, ah, c'est qui merci Bléno Daneux pour les 5 subs offerts à la communauté. Très généreux de ta part, merci. Bah, en fait, la lumière était en train de s'éteindre, donc petit à petit rétrécir. Et moi j'étais avec PA, on était close avec PA. Et en gros, bah, je t'ai vu passer, je t'ai même vu mettre le geste et du coup j'arrive pas. Bah en fait, le truc c'est que ça peut être que Ultia parce que. Moi je vous ai vu, je voulais pas rester paquet donc je suis parti à gauche, il y a eu les lights là. Ensuite, c'est game pour les 6 mois. Le souci dans ce scénario là, ouais, c'est que Ponce et Domingo ils sont pérés. Ils étaient collés ensemble, quoi. Donc, et puis la masterclass PA Ponce, bah PA est mort quoi donc. Ouais, non, mais oui, bien sûr. Non, mais je. Après, j'avais un doute, et moi, tu sais, quand je vois deux personnes ensemble tout le temps, c'est normal aussi. Hein. Merci aussi, Kylian, ouais, pour les 3 mois de sub. Le Doway pour le sub, tier 3 offert à la communauté. Merci beaucoup. Il n'y a pas vraiment de 50-50 quoi. Ultia est un peu suspect. Oui, oui, oui. C'est... Bah écoute, let's go. Après, bon. Ah, trop bien, Inubilo. Un vrai skip, mais vu que je sais pas qui. Trop content que vous ayez commencé le jeu. Ouais, je sais bien. Merci, le maître, pour aider moi. Peut-être Romain qui sait pas qu'il faut les terminer en fait. Rire de droite. C'est pour ça que je me suis permis de me démuter et de le dire. Mais si, mais je suis lent les gars. Mais je suis en train de les faire. Ah, ok, d'accord. T'as pas besoin de les terminer, t'inquiète pas. C'est bon. Il m'en reste qu'une. En vrai, je n'aurais jamais pu faire quoi que ce soit. Oui, c'était compliqué. Mais par contre, Ultia. J'ai fait O2, j'ai fait les comms, j'ai tout fait pour faire des paquets. Depuis vous étiez longtemps. Tout le temps ensemble, genre. Ultia, moi ça me flingue quand je suis mort. T'as dit que tu m'as vu et tu m'as laissé en vie aux caméras. T'as dit ça de cette façon. T'as dit ça de cette façon. C'est ma faute, Ultia. On aurait dû camper le corps de Romain et faire double kill dessus. C'est moi. Ok. Il est parti par en bas. Je pensais qu'il allait passer par en haut. Je l'attendais. En fait, je t'ai cherché quand t'as Vent. Et d'ailleurs, pense, j'avais pas Vent quand t'as dit. Ah, c'était trop chelou de quand t'as dit que j'avais Vent là. Non, j'avais pas du tout Vent. Bah, en fait, le mirage illusoire, ça a l'air rigolo. J'ai essayé de trouver quelqu'un seul, mais vous étiez. On fera pas ça ce soir, mais on y réfléchira pour la suite. Mais c'est pour ça. Mais en fait, en gros, tu pouvais pas gagner dans le sens où on aurait dû gagner depuis longtemps avec les tâches. En fait, en gros, on aurait dû gagner depuis genre 3 minutes. Tu vois, c'est qui se mord pour se faire un Jiren. La faute dessus là. Oui, Bagara. Mais non, absolument pas. Bagara, oui. Bagara veut dire un truc. Il y a une tâche où tu peux juste cliquer et t'en aller. En fait, tu t'as attendu devant. Et c'est un truc qui te dit revenez plus tard.
Ah, et ok. Tu peux juste partir et faire tes autres tâches ensuite. Ouais, rentres, si le truc avec les petites fioles. Les petites fioles. Ah, ok. Tu lances et tu crash pour le sub. Rouge, en fait, comme ça, sur les ah, ok, ouais, effectivement, j'ai attendu la minute devant tranquillement. Vous êtes arrivé une fois. Je vous recommande un truc. Oui. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Peut-être mettre une troisième longue task. Quoi? Ouais, c'est vrai que là, elles se font vite. Hein, parce que sinon, ça va être très dur, je pense. Tu penses? Ah ouais. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Ah oui, oui, je l'ai vécu à l'instant. Donc... bon, allez, vas-y, je t'en mets une troisième. Vas-y. Merci, merci, monsieur. En réalité, oui, c'est parce que vous avez... Enfin, le rythme de la partie était lent. On a eu un premier round très long avec un seul kill. Mais... Au début, ça allait très vite. Aucun rapport. Mais ouais, allons-y. Désolé de poser la question, Romain, mais d'ailleurs, tes mains, etc., pour jouer, ça va? Je crois que j'ai vu que la main gauche, ça allait mieux, c'était guéri? Non, alors la main droite est guérie, okay. La main gauche, pas encore, et pour tout vous dire, demain soir, je vais, j'ai une opération sur les deux mains, et du coup, c'est un peu la dernière soirée où je peux vraiment... Oh là là, courage, courage. Okay. Ah, je me demandais, je te demande, parce que c'est vrai que... Après, j'aurai des plâtres, ça va pas être pratique. Okay. Oui. Ah merde. Ah là là là. Ouais, c'est pas grand chose. En tout cas, la main droite jusqu'à vendredi. Ok. C'est une ancienne blessure qu'il faut que je répare. Et après, la main gauche, c'est le pouce qui va être immobilisé, mais le reste, ça va aller. Donc, ok. Du coup, tu vas casser quelque chose ou c'est. Non, il y a eu un accident. Ouais, donc à gauche, c'est des brûlures plus le ligament du pouce qui est arraché. Donc il faut qu'on rattache le ligament. Ah oui. Oh, c'est pas grand chose. Les brûlures, c'est plus. Psychologiquement, c'est plus dur. Ouais. J'imagine. Prends tout ton temps sur les tasques, y a pas de soucis. On tuera pas, on tuera. Vas-y, tranquille. Moi, je vais te tuer en 1, je suis désolé. Je reste avec vous là, j'ai réglé mes problèmes de son, ça va être beaucoup plus facile aussi. Nickel. Ouais, on m'a dit que c'était un peu galère sur le début. Ok. Allez, let's go, les gars. Let's go. Ok, let's go. Bonne chance. Et oui, son accident en plus, visuellement, était très spectaculaire. La voiture se coupait en deux et tout. Un truc assez impressionnant. Mais envoyez les cœurs chez lui surtout, hein, pas ici. Moi je vous déteste, vous savez, donc n'envoyez pas les cœurs ici. Hein. Juste ce B. Hein. Pas vrai. Je vous aime beaucoup, je vous adore. Ok, let's go les gars. Mais ouais, ça. Merci Sancho pour les 6 mois. Y'a Ponce en bas. Rire de droite. Oh non! Oh non. Let's go, les gars. Oh là, merci Nelgeridut pour les 5 subs offerts à la communauté. Merci beaucoup. Et Ren Shadow pour le Prime. Yuki Ikari pour les 11 mois. Merci beaucoup. Sur tous ses soutiens. Et merci pour vos petits cœurs, bien sûr. Même si, bon, ils ne me sont pas destinés. Ils sont pour Romain. Et c'est tout à fait normal. Doit être assez dur en plus, vraiment. Donc il était en train d'exercer son travail, sa passion. Enfin bref. C'est quand même cool qu'il nous tolère pour sa dernière soirée avant son opération, quoi. Ulti à Occam. Rire de droite. Il m'a pas tué. Merci Fremantle pour les 7 mois de sub. Ultia qui me poursuit dans les coups. Loire ah. MV Gomard, ensemble. Merci les BAMT pour le sub. Ah. Ah bah apparemment ça... Apparemment... qui a tué effectivement Romain au premier tour. Quoi? Eh ouais. Non j'en sais rien. Tu l'avais dit. Non, effectivement. Il y avait malheureusement aucun truc de suspect, c'était contre Romain. C'est moche. Donc, Ils sont morts où? C'est où? Il est où le cadavre d'FG? Moi j'ai trouvé PA tout en bas à droite, à côté des... vers l'entrée des shields en fait. Alors, navigation vers shields. Ah. Je tiens à dire que je viens à l'instant de croiser Gomard avec MV qui revenait de ce côté-là. Voilà. Ah. Ouais, pour moi c'est Gomard aussi. Je venais juste de remettre l'O2 et c'est le moment où j'ai vu Romain partir en direction opposée de l'O2 quand il y avait l'alerte. Oui mais tu revenais du bas, moi je t'ai croisé à storage en fait, avec MV. Ouais. Moi j'étais à storage mais ouais j'avais fait J'ai croisé effectivement, il y avait Romain Domingo et il y avait d'autres personnes aussi, il y avait une ou deux autres personnes en plus de moi. À l'O2 Où ça? En bas vers, j'ai croisé Romain immobilisé à Shield et il y avait une personne. MV raconte pas sa vie, c'est lui.
Et après, moi, je suis parti storage à gauche. Moi, j'ai des très très gros doutes sur. Non, non, c'est pas moi. Le seul truc que j'ai vu, c'est Romain partir en direction opposée de O2, mais c'est le seul truc que je peux vous dire. J'ai effectivement, genre 10 secondes avant que ça bip, croisé Domingo qui partait vers Storage en via les shields. Moi, j'ai fait demi-tour à mi-chemin au niveau des coms. J'ai croisé Gomard après à Admin. Moi, j'ai des très gros doutes sur Mr. MV parce que, pour la simple et bonne raison qu'il ne raconte pas sa vie de crewmate. Aussi, ah non, mais c'est maintenant, je le fais quand je trouve un corps. Ouais, ouais. Je donne les infos. Mais non, je t'ai dit que j'étais storage, j'ai fait mes câbles. Tu m'as dit ça. Non, mais de toute façon, je vais pas voter contre toi. En bas, et ensuite, oui, j'ai vu Gomard et on partait à gauche et j'ai passé Electrical et je t'ai vu, ouais. C'était okay, Ponce avec ça. Moi à l'eau de d'en haut. À l'eau de d'en haut Alors, moi, j'ai pas remis l'eau de moi, je suis arrivé trop tard. Moi, je suis arrivé avec moi, on a fait le 11 mois. Avec JV Gamer pour le Prime. Ensemble, t'es arrivé en retard aussi du coup. Ouais, ouais, mais en gros, mais parce que, en fait, le truc c'est que Gomard et PA sont partis ensemble, donc si. Enfin. Sauf qu'il est pas mort dans une pièce, il est vraiment mort sur la route. Moi, honnêtement, j'ai vraiment rien vu, c'est-à-dire que effectivement, on est allés tous les deux à droite, mais après, toi, t'es descendu, et c'est là où t'as trouvé les corps, c'est ça? Et moi, j'ai fait mes 4 C'est un double kill, on est d'accord, c'est un double kill. Bah, je sais pas, DFG. Ouais, t'en as vu qu'un. Mais si Gomard dit qu'elle vient de Storage et qu'elle a laissé Romain un shield, c'est qu'il y a les deux et que j'en ai vu qu'un. Oui, je suis à Storage. Ah, toi, t'as vu PA? Pour moi, c'est Gomard MV. Mais je vais skip quand même. Je skip quand même. Non, mais c'est pas moi, mais c'est vrai que je les ai croisés. Tu es bien magnanime. Ah, tu m'as convaincu, Gomard, quand même. Mais bon, écoute, hein. Merci, Fauteuil Ergonomique pour le Prime. Mais j'ai croisé l'assassin. Au moment où il tuait. Bref. Merci, Am26 pour le Prime. C'est beaucoup. Oh, je pense que je vais jarter à ce round. Hein. Je pense que je vais me faire défoncer. Putain, j'ai masquette à faire encore. Là, ça va plus vite en termes de kill que tout à l'heure. Oh! Oh! Supportable. Ponce avec moi. Ponce, mon ami. Bien sûr. Ponce, mon frère. Merci, Anthony, pour les 8 mois de sub. Merci beaucoup. Ah, je vais finir ça. Merci, Fametro, pour le sub. Merci beaucoup. Gomard, don't do it. Ok, très bien. Quoi? À tout slow. Putain. Je me disais. La porte qui s'est fermée une fois que Gomard est passé derrière. Merci INNDVN pour les 11 mois, merci beaucoup. Et je le savais. Je l'avais dit que c'était lui. Il ne raconte pas sa vie de putain de crewmate, quoi. Ok, bon bah je crois que les carottes sont cuites hein, pour toi, MV. Comment ça? Bah c'est toi, en fait. Oui. On est remonté avec Ultia. En fait, j'ai emmené Ultia dans Electrical avec moi parce qu'il y avait Gomard et je voulais pas rester seul avec elle. Ouais. Et après, on a fait nos quêtes et on est remonté au niveau de Admin. Et là, juste à l'entrée de Admin, de là d'où tu viens, il y a un cadavre, celui de Jean Castex. Donc bah, c'est forcément toi, en fait. Oui. J'ai vu MV. Merci Diabrix pour les 400 bits. Je suis en train de croiser MV là. Moi j'allais à l'O2, le sabotage d'O2 en haut. Il y a eu la porte de la cafétéria qui s'est fermée. Je me suis retrouvé cafétéria hyper longtemps. Et là je suis descendu straight à Storage. Mais tu n'as pas pu passer. En fait, tu n'as. Attends, parce que moi je t'ai pas vu. Tu n'as absolument pas pu passer dans la vie sans avoir vu le cadavre de Jean Castex. Ce n'est absolument pas possible. Même si t'étais passé en longeant le mur de gauche, t'aurais eu le bouton report. Je pense. Ouais. Non, attendez, mais moi je pense que c'est même pas son kill. Moi je pense que c'est le kill de Gomard, il voulait pas le report. Mais... Peut-être, dans tous les cas. Il y a un peu OTM, mais voilà. C'est Romain Grosvent. Ouais. Moi j'ai été chez Milan Cafétéria, c'est tout ce que je sais. Merci Pépé le Putois pour les 3 mois de sub. Je suis monté par Admin, en effet. Je suis quand il y a eu le truc, j'ai été bloqué à cafétéria, il y a eu un sabotage porte. Quand il y a eu l'O2. Encore une fois, si tu es passé à côté de l'entrée de Admin, de toute façon sabotage porte, ça peut pas être pendant un sabotage, mais bref. Mais tu n'as pas pu voir vraiment, tu n'as pas pu passer à côté, c'est impossible. Tu venais de là où était le cadavre. Il y avait le bouton report nous quand on est monté, donc tu n'as pas pu ne pas le voir. Oui. Plus 1. Okay. Ok, donc on part sur MV ici. Ouais, oui, complètement. Ouais, moi j'ai voté MV. Je me fais manipuler et je respecte, ok. Ouais, je suis pas... je sais pas. J'espère que c'est pas un van kill sur ma gueule, mais bon, d'accord. Le premier kill plus ça, ça fait beaucoup, quoi. Merde. Ponce. Ah, mais j'ai mes votes qui bug à l'enfer. Ah. Ah, c'est bon. C'est ça, ouais. Si, vraiment.
En plus, c'est prouvé que c'est lui, il y a les deux imposteurs qui skip. Oui, non, le jeu a quelques bugs, effectivement. Merci Diasendos pour les 300 bits, merci beaucoup. C'est vrai qu'il peut pas trop écrire. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, c'est vrai qu'il y a peut-être un problème pour l'écriture. Peut-être que j'arrête de lui demander si ça va. Je me demande, mais je ne peux pas écrire, merde! Ah mais merde, bah oui, c'est vrai. Étonnant cette histoire. Putain, il y a encore l'histoire du putain de putain de putain, quoi, en bas, bien sûr. T'empêches vraiment miraculé, hein. Incroyable. Hop. Et du coup, pour moi, c'est Gomar, l'autre, hein, me dites pas, mais je suis quasi persuadé que c'est elle. Ils revenaient tous les deux de Shield. Je pense vraiment que c'est elle. Merci Niki.net pour le sub offert à Bripin. Bripin. Gomar. Allez, Gomar avec JDG. On va la suivre un peu. C'est bon, je finis mes quêtes. Il n'y a pas le bug de la flèche. Ça, c'est beaucoup de plaisir. MV qui la suit. Ok, c'est bon. Allez, allez, salut. Hein. MV qui suit sa mate. Gomar qui va kill JDG. Attention, 3, 2, 1, voilà. Oh, mais quelle surprise! Ça alors! Je ne l'avais pas vu venir celle-là! Elle est partie par où? Elle est encore dans la vente? Ah non, voilà. Multia qui va report le corps de JDG, qui va dire que Gomar était. Oh, okay. Cette luck! Cette luck! Ah! DFG? Oui. C'est qui que des fois tu voyais à Med B? T'as croisé qui à Med B? Alors, il y avait Ultia qui sortit de Med B. Et bon, c'était là, c'est toi que j'ai vu? Ouais, moi j'étais admin depuis genre une minute. Ok, le vote Gomar. Non, mais j'avais raison dès le départ, j'avais dit MV Gomar. Ah, j'étais aux caméras quasiment. Oui, je sais, je viens de te voir ouvrir la vente, c'est ça le problème. Ah, mais c'était toi? Ah, bah oui, je t'ai vu vente aussi en direct de admin. Ah, c'était toi? Ok, bah voilà, bah c'est. Merci Gomar! Moi j'ai vu une personne faire caméra, Med B. Caméra. Med B, caméra. Non, je suis désolée. Et du coup, tu viens dire que t'étais aux caméras là, donc j'avoue que. Alors, en plus, j'ai jamais été à Med B de toute la partie, enfin de toute cette game là, tout ce tour là. Okay. Et j'étais quasiment full aux caméras. Ultia m'a vu. Mais moi, la personne aux caméras, je l'ai vu se téléporter quoi. La personne aux caméras, je l'ai vu se téléporter. Donc si c'est toi qui étais aux caméras, bon bah tu t'es téléporté quoi. C'est pas moi, pense. Bah oui, mais alors il y avait qui d'autre aux caméras? Bah j'ai croisé que Ultia un moment et elle est pas restée longtemps et c'est tout. Je tu suis te foutrais pas restée, un peu de notre gueule toi? Pas du tout. Tu te foutrais pas un peu de notre parce gueule parce qu'en gros moi là j'ai vraiment je vous jure pendant une minute j'étais admin. Je me fous pas de ta gueule, je suis restée caméra quasiment tout le round vraiment. Et t'as vu personne? Mais ça je te crois hein. Moi aussi je te crois mais du coup en fait t'as juste 20 quoi. Je n'ai pas 20. Moi je voyais des téléportations vraiment. Mais j'étais sûr que tu l'avais 20 du coup c'est ça? Écoute, quand même. Quoi, quand même? En fait, j'étais sur scanner. T'as vu sur la cam la veine s'ouvrir avec mon corps, avec moi? Non, c'est pas ça. Merci beaucoup, Barbac. En gros, j'étais. Merci pour le deuxième mois, merci. Merci pour le deuxième mois. Non, la vie, en gros. Merci. J'ai un gros problème de. Ok, Discord. C'est pas moi, je sais pas quoi vous dire à part que je suis resté. Mais je pense vraiment que tu étais aux caméras tout le monde, c'est vrai. Ça, y a pas de soucis. En fait, pourquoi t'as buzzé alors? Tu m'accuses du coup? Mais parce qu'en fait, moi je vais vous expliquer. En fait, je suis allé dans Med Bay faire mon scan que j'ai pas voulu faire parce que je suis toujours tout seul et tant pis. Mais juste, et en fait, c'est moi, j'ai vu quelqu'un à Med Bay pendant un petit moment. Ouais, c'est moi. Quand tu fais le scan, en fait, tu peux voir les veines à côté. Et en fait, je vois la veine s'ouvrir. C'est en IRS pour le sabofer à la communauté. Et Gomar dit qu'elle est aux caméras et c'est la veine caméra que j'ai vu s'ouvrir, donc c'est quand même pas mal quoi. Bah après, dis-moi où elle va, dis-moi la pièce et tu verras qui peut dire que caméra, j'étais là-bas, personne, parce que je n'ai pas lâché les caméras. Mais excuse-moi DFG, mais du coup, j'avoue que JDG du coup est mort et en partant par admin au sud, mais du coup, moi quand je suis arrivée... C'est vraiment pas moi, merci Euline pour les 20 mois, merci beaucoup. Ah mais vous pouvez skipper si vous voulez, mais là si vous êtes Gomar, vous avez gagné, je dis pas plus, hein, après.
Ah, il y a eu un vote contre Gomard et du coup ça les gens. Mon vote il était pas été pris en compte. Ouais, moi non plus. Oh, mais je suis deg. Bah, au pire, j'ai int. Mais... Masterclass de DFG. Complètement. Non, mais je suis trop bête, pourquoi j'ai pas voté. GDF. Bravo. Hey, c'était eux, hein. Bien sûr. Vote de la fin en mode ouais, terrible. C'est Win Wins pour le Prime, merci beaucoup. Eh ben ouais, ouais, GG quand même. Ah, j'ai essayé de tuer plus vite que d'habitude. J'avais 20, mais, effectivement, mais par contre, je suis pas allé mettre B. Genre, j'ai 20. Qu'est-ce que j'ai Electrical. T'as tué Electrical. Si, ouais. Mais ouais, on est d'accord qu'au début, c'était bien un double kill que vous avez fait à droite de la map. Oui, c'est ça, complètement. C'est ça. Oui. En fait, je tue Domingo devant Gomard, je descends, je vois Romain, je fais oh mon dieu, tue-le. J'ai pas compris ce qui m'était arrivé. J'étais tranquillement en train de brancher mes fils. C'est honteux. C'est honteux, quoi. Je ne savais pas qui était dans le coin. Ouais, bien sûr. Allez, let's go. Les amis, bravo à vous. Je peux avoir la couleur jaune, ok. Ah, pardon, ponce. Désolé. Putain, c'est trop tard. Oh, c'est fait. Oh là là, ce clutch incroyable. Merci, c'est exceptionnel. Ce soir, grosse game de crewmate ce soir, hein, les amis. Les crewmates, c'est l'important. Ok. Je veux pas rester avec toi. Rire de droite. Si c'est Micha pour essayer de me faire mémélo. Merci beaucoup. Je veux pas rester avec toi, mon pote. Hein. Ah. Alors, peut-être. Oh putain. Non, merde. MV. Je suis seul avec MV. Avec Bagheera également. MV Bagheera, DFG qui rentre. Rire de droite. Ok. Gomard qui rentre avec MV. Ok, ils ressortent tous les deux. Ok. JDG qui est so hot là. Ok. Tranquille. DFG, Bagheera. Quelqu'un est au cam. DFG qui me tue pas, mais il me fait quand même peur, DFG. Hein. Shield. Bagheera, j'ai l'impression qu'elle se balade un peu. Ouais. Aïe. Je suis désolé, j'ai pas vu où il kill, mais par contre, Romain, j'ai l'impression de me voir quand moi je suis un imposteur. Tu ne bouges pas, tu t'arrêtes au milieu de nulle part pour faire des. Pour très probablement pour saboter, qu'est-ce qu'il peut, je hein. Sais pas. Non, bon, pour le coup, mais non, non en vérité, j'ai pas compris ce que admin, le truc admin, à quoi ça sert. Ça fait deux fois que j'y vais, mais je sais pas à quoi il sert. Ah. En fait, admin, ça te permet de localiser qui, combien merci, de personnes. Merci, opérons lactose pour être à moi. Et tu peux voir les combats entre chaque pièce, quoi. Ah ok, et c'est pour ça que j'y suis allé 2-3 fois pour essayer de comprendre le truc, comment ça marchait, et après j'avais une tâche derrière. Et quand tu changes de direction au milieu des couloirs, c'est... Mais c'est en fait je veux rester avec vous, je peux pas être tout seul. C'est à chaque non, fois que ouais, je suis seul, ça dépend s'il le fait depuis le début. Parce que autour d'avant, quand j'étais imposteur, il était immobile aussi dans le couloir, et pourtant il était innocent. Oh, JDG traîne un innocent dans la Et Romain, est-ce que t'as le bug, Romain, quand tu vas sur une plaque d'aération que tu peux passer dedans? Est-ce que t'as ce bug-là ou pas, Romain? C'est bien essayé, mais c'est une des règles que je connais quand t'es imposteur, oui. Tu peux passer en travers. Tout non, à fait. Là, pour le coup, boss. Je l'ai pas. Le boss. Tu nous le dirais. Mais du coup, moi, tu nous le dirais, de toute façon. Bien sûr. Alors. Alors, qu'est-ce le corps est à Electrical, et pour le coup, on est entré en même temps ensemble avec Romain. Mais c'est toi alors. Je pense pas que ce soit là sur le. Oh là. Tu t'es balancé. Comment ça? Moi, j'ai vu que le corps était reporté. J'ai pas compris que c'est ce qui s'était passé, mais j'ai eu peur pour ma peau. Donc c'est toi. Non, mais non, voilà. On est en train. Attends. Mais si. Mais t'as vu l'animation ou pas? Ne soyons pas si vindicatifs. Je vote direct si tu veux. Là, je vote direct. C'est même pas mais une question. Dis pas que c'est toi, Romain.
Ouais. Juste que c'est pas toi. On est entrés ensemble dans la pièce, il y avait un corps. Et du coup, je les reporte avant toi, mais on l'a vu ensemble, ce corps déjà présent dans cette pièce. Ouais, c'est ça. J'ai croisé Ultia à Electric Hall. L'autre personne en rouge à part toi, c'est ton collègue, il faut pas le dénoncer. Hein. j'ai croisé Ultia à Electric Hall il y a quelques minutes, et il y avait DFG et Jean Castex qui en sortaient. Mais elle était toujours vivante. Mais en tout cas, on était dans les parages. Au moment du report, sachez que je suis à l'eau 2, moi. Enfin, un peu plus... Je sortais de nave au moment du report, hein. Sachez-le. J'ai passé un long moment caméra, mais je suis parti, donc il y a bien 25-30 secondes. Jusqu'à Irima trouve le prime. L'électricole pendant l'emergency, elle était vivante. Donc, donc je pense que c'est quelqu'un qui était à gauche qui a du vent kill dans l'électricole. C'est quelqu'un qui est arrivé par le bas, effectivement. Moi, j'étais gentiment en train de brancher mes... Après, Romain, JDG a dit que tes mouvements étaient un peu bizarres, et c'est vrai que tu te retrouves pas loin du cadavre et tout, donc on sait pas trop, mais c'est un peu bizarre. On verra. On va voir. Merci de Torgnol pour les 15 mois de sommeil. De prison avec sursis. Hein ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Peine de prison avec sursis. C'est vrai que Romain, là... Après, je sais pas si c'est juste... Oh putain, je suis trop lent. S'il est juste pas habitué ou s'il est vraiment objectivement chelou. C'est ça le problème. Bon, attends, je vais aller directement faire le truc là-haut. MV, fais-le. Ah. Bagara qui trouve encore une fois un cadavre, oui. Effectivement. Ok. Ah si, il plaide pour le prime. Ça commence à être louche, la bagarre, on va pas se mentir. Effectivement. Ouais. Ah mais tu veux vraiment la target, en fait, là, attends. Bah vas-y, Bagheera, c'est où, c'est quoi ? Du coup, je suis juste passée à Med B, j'avais les deux, j'avais le scan et l'autre, l'otage, et il y a eu l'alerte, et du coup, je suis partie dans l'autre sens en me disant, est-ce qu'il va y avoir des kills ? Et il y avait le boulard de Gomard, juste dans la salle, en face de Cam. Rire de droite. Réacteur. Ouais, réacteur. Qui est parti à gauche au début, alors. Quoi ? Bah, pas, moi, qui allait par là. Moi, j'étais avec MV à droite, pour le coup, à ce moment-là, vers O2, justement. J'étais en train de mettre le code. Juste comme j'étais dans la zone, ce qui est trop chelou, c'est que du coup, je crois JDG Lower Engine, là. Oui. Moi, je vais cam. Je vais au cam, je vois donc Bagheera sortir de réacteur. Et je crois qu'elle est montée vers Medbay, mais du coup, ça, enfin, t'as pas du tout fait Medbay into réacteur. Non, je suis ressorti juste dans réacteur, voir s'il y avait quelqu'un. Et là, j'ai vu le. Et là, j'ai vu le corps. Mais où il est où exactement ? Il est. C'est John Starks pour les 3 mois. Entre Cam, Aki Peak pour les 3 mois. Entre Cam et Réacteur ? Je l'ai pas vu au cap Icebreaker pour les 3 mois. Ah bah, il est vraiment là. J'y suis passé, ou alors c'est tout récent. Dans ce cas-là, c'est. Moi, j'ai croisé Domingo qui remontait. Domingo, t'as rien vu, toi ? Bah, moi, je suis allé direct au Cam. Je pense que vous aviez les cams allumés. J'ai vu. Mais alors, dans ce cas, t'as dû marcher sur le cadavre ? Non, parce qu'il était pas là. Non, s'il est à Réacteur, il est pas à son endroit. Soit il est à Upper. Moi, je pense qu'il est à droite. De ce que j'avais compris, Bagheera. Moi, je pense qu'il s'est fait à l'instant, du coup. Non, ouais, c'est ça, juste en dessous de Power Engines. Exactement. C'est bien, personne peut pour le sub. Du coup, je pense qu'il était à l'instant, parce que moi, je suis descendu, je suis remonté, il était là. Donc. Caméra. Soit c'est JDG qui a tué avant, soit donc potentiellement non. C'est moi, soit c'est Bagheera qui a fait une dinguerie. Est-ce qu'il y avait quelqu'un, JDG, qui a vu dans le coin ? Moi, je suis descendu, je crois que ça s'appelle Power Engines, la salle à gauche. C'est le déforêt pour une fois. Coup d'œil à caméra, j'ai vu qu'il y avait personne, je suis redescendu, j'étais croisé en train de remonter, et puis après, il y a eu le report. Mais j'ai vu aucun cadavre. Ça veut dire qu'en gros, c'est soit PA, soit Bagheera, soit JDG, quoi. JDG, je pense qu'il est innocent. Je pense qu'il est innocent, JDG. Bagheera depuis tout à l'heure. Mais Bagheera, c'est Romain... Je sais pas. Elle a quand même la réponse, j'aurais pu le tuer 3 fois. Non, ça, je pense pas que ce soit Romain. Non, je pense pas que ce soit Romain. Ou à moins que ce soit vous deux. À moins que ce soit vous deux. À moins que ce soit Romain et Pense. C'est hyper mal expliqué. Elle a quand même dit qu'elle était à Medbay, qu'elle était allée à gauche. T'étais réacteur quoi, t'es sorti de réacteur quand même. C'est vrai, tu nous dis que le cadavre est à un endroit. Alors c'est vrai que c'est suspect Bagheera, mais je vais quand même skip. Je skip quand même. Ouais, je galère avec les noms des pièces à cet endroit, mais c'est tout. Bah ouais, mais là, c'est simple, t'as dit que le cadavre était à côté de l'heure de caméra, et puis d'un coup, c'était. Non, pas deux imposteurs, parce que moi j'en fais partie, j'ai voté contre toi et je suis. Tu fais partie des imposteurs, Pense, au 4 imposteurs. Oula. Allez, c'est parti, Pense, c'est nickel. Allez, je bip. Vraiment les quêtes de merde, ça. Alors que les autres sont extraordinaires. Genre par exemple celle-ci.
Lights out. Oh putain. Queen. Ouais. Boum boum tac. Boum boum tac. Pardon. Bien sûr. Bagheera est au cam. Romain, MV. Et Domingo, je crois. Bagheera est au cam. Ponce. Oula, toi. JDG. Ponce et JDG. Ok. DFG. DFG qui redescend par là. JDG qui est encore tout seul là-haut. Bon, JDG, je pense qu'il est innocent de toute façon. De façon. Je pense que c'est ok. MV au cam. Au cam ? Elle clignote pas les cams. Ah si, là, elle clignote maintenant. En fait, il vérifie. Ah oui, je pense qu'il a juste vérifié, voir si j'allais le tuer. Domingo qui rentre à cam. Domingo et MV au cam, ensemble. Ils se font bien confiance. J'aimerais trop voir quelqu'un sortir d'ici là. Ce serait vraiment mon plaisir. Bagheera. Qui. Ouh putain! C'est juste un petit contrôle de routine. Ah, Romain est mort. Romain est mort. Ah. Et il accusait beaucoup Bagheera. Il accusait beaucoup Bagheera. Que je trouve qu'il se balade un petit peu. Il a pas compris en entrant dans la pièce, les gens, mais c'est tout. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est. Alors, la raison de mon buzz. Le code, il a été remis là. C'est pas à toi de. Ouais, c'est bon. Quelle prétention d'AFG là. Raison. Vas-y, parle-nous de la raison de ton buzz d'AFG, vas-y. Non, en fait, j'ai eu peur qu'il y ait double kill à gauche et qu'on se fasse bloquer, qu'on ait pas le temps d'aller trouver les corps et qu'on soit que 6 et ça fasse double kill. Donc en fait, j'étais en mode, on va voir s'il y a des... combien on est en fait. Parce que je pensais qu'on était 6. Ah voilà. Ah oui, t'as eu un peu peur du double kill derrière et. Exactement. Fini, parce que vu qu'il y a pas Vital dans cette map, j'ai. Voilà. Moi, j'avoue, je n'ai strictement aucune idée. J'arrive pas du tout à voir qui est suspect, machin. J'avais des doutes sur PA, mais je l'ai vu faire des trucs un peu normal, si je puis dire. Donc je me suis dit bon, normal. Peut-être pas peut-être. Du coup. Mais moi je l'ai pas revu après quand t'es vers caméra réacteur, t'es parti où réacteur, moi je suis parti vers le haut, j'ai fait le truc medbay ou ouais. Ponce d'ailleurs pareil, je trouvais que c'était chelou moi où je faisais les puisettes là. Moi j'ai fait pas mal d'amis de cam. Enfin, moi j'ai quand même une moi je mets quand même une pastille sur Bagheera. Bagheera quand même vraiment bizarre moi je trouve. Hein. Je suis désolé Bagheera, à un moment tu m'as poursuivi dans les couloirs ouais. Mais dans Je savais pas ce que tu faisais justement, tu faisais des tours. Alors du coup j'ai fait des tours avec toi. Ouais effectivement ouais. Vraiment, avec Ponce on a fait une danse bizarre à l'entrée d'Electricole avec Ponce. Oui, parce qu'en fait moi j'aime bien comme tout le monde tu vois tu sais mettre des trappes en gros mettre les pressions partir revenir et si tu vois quelqu'un apparaître bon bah voilà quoi mais je l'ai pas fait si longtemps que ça quoi. Je me suis cassé au bout d'un moment. Est-ce que des gens sont quelqu'un sortir au moment où on arrive. Moi j'ai un doute de Bagheera du kill d'avant là quand j'étais à cam qui était chelou. Après sinon de ce tour-là j'ai vu principalement c'est Kokoroas pour le prime. Temps à autre, entre cam, j'ai croisé un peu MV aussi. À mon avis MV dans le cam aussi. Non MV je suis pas sûr qu'il soit si méchant. Qui dit rien, MV ? On est pas sûr. C'est parti. Ouais, mais j'ai un. J'ai fait cam admin, ouais, j'ai croisé Antoine qui, je pense, est safe. En même temps, le rythme de la partie est bien lent, quoi. J'ai vu Domingo cam aussi. Et ouais, bah sinon, j'ai fait mes alertes. Je pense qu'on peut se. T'as vu quand Domingo cam ? Ok.
Je pense qu'on peut se permettre de skip. Quand j'étais au cam, ils sont passés me voir, quoi. Il n'y a plus beaucoup de tasks à faire, normalement. Mais faites attention au double kill, bien sûr. Ouais. C'est ça. Par contre, s'il y a un kill de plus, il faut voter. Ah oui, évidemment. Évidemment. Ouais. Oui, c'était moi, c'était moi. T'inquiète. Aurélien. Okay. Sincèrement, désolé. Il n'y a pas de problème, Aurélien. Merci, Antoine. Ok. Bah moi j'ai plus qu'un truc à faire à admin. MV, c'est vrai qu'il parlait pas beaucoup. Hein. Mais après il aurait pu me tuer plein de fois. Peut-être qu'il va le faire maintenant. Ceci dit. Je vais aller au cam si j'ai le temps, si je survis jusque là. MV qui check la table d'admin. Ouais. J'ai pas une très bonne vision de la game, je vais pas vous mentir. Wobé ! Où ça ? Ouais. Ouais, moi aussi. El Ponso. Juste au-dessus de Shield. Ah, alors moi j'ai l'écran droit, du coup, je vous vois, je suis encore en jeu. Ah, t'as un bug, Bagara ? Ouais, mais à voir, c'est ça, je peux genre pas voter, mais après je peux revenir, ou c'est ça ? Je sais pas. Ouais, t'as un écran noir ? T'as un écran noir ? Non, je suis juste bloqué. D'accord. Non, normalement, tu dois pouvoir jouer. J'ai déjà eu ça, je crois. Ok, on va voir. Alors, je suis l'expert des bugs. Je suis allé au niveau de navigation. Il y avait Domingo, il y avait Ponce et il y avait Bagheera. Je suis redescendu vers Electricole quand il y a eu les lumières. Je suis ensuite revenu sur mes pas et j'ai croisé le cadavre de Ponce juste au-dessus de Shield. Ah bah Bagheera 100% parce que moi je l'ai perdu de vue. Je crois que j'ai vu DFG qui est venu me double check savoir justement si j'avais pas fait un kill à navigation. Tout à fait. Et on s'est au-dessus. À navigation aux deux. Bagheera. Bah du coup, PA, t'es non, parti à navigation et t'as Shield monté à navigation. Ouais. Ah Shield, pardon. Excusez-moi. Il est à Shield, en haut de Shield. Vers la veine, je crois, non. J'imagine en haut de Shield. Oui, il est genre 2 mètres au-dessus. Comment tu sais, DFG? Ok. Mm-hmm. Bah parce qu'il a dit au-dessus de Shield. Donc c'est ça. Oui, okay. Au-dessus de Shield. Je l'ai dit, t'inquiète. Ah d'accord. Oui. Donc je suppose, en fait, je veux dire, n'excluez pas la vente quoi. Déjà, Bagheera, quand on est arrivé dans le truc nav, j'avais l'impression d'avoir perdu de vue. Donc elle était déjà partie en bas. Mais JDG. Ouais, t'es. Moi, je t'ai vu partir avec quoi. Je t'ai vu partir avec donc. Avec qui? Bah avec Ponce. Non, je suis parti vers le sud, mais Ponce, il est parti, je pense, à mon avis, quelques secondes après moi. Je l'ai pas croisé du tout. Quand je suis parti, je suis remonté. De toute façon, ça ne peut être que, techniquement, ou moi, ou Bagheera, ou Domingo. Ouais, nous, Antoine et moi, on a fait admin et light. Sauf si quelqu'un a vent, et ensuite a vent vers admin. C'est aussi une possibilité. Vas-y, Bagheera, t'as quoi à dire? Je suis curieux. Ça peut pas être Déjà, qui a reporte quoi? Enfin, juste dites-moi. C'est JDG qui a reporte. Ah oui, c'est vrai que tu vois rien. Ok. Effectivement, à un moment, je suis passée par Shield et je suis montée ensuite à Admin. Là, j'ai checké un peu où était tout le monde et ensuite je suis partie à Electrico. Et là, ils étaient où du coup, MV et Antoine, ils étaient où? Nous, on était à Admin. Ah, c'était pour que. Ah oui, c'est nous attendre. C'était un trap. C'est pas grave. C'est vrai que je l'ai pas vu, ouais. Je vais quand même, je suis désolé, je vais quand même voter Bagheera. Ça fait plusieurs tours que j'ai des doutes et. Mais c'est une erreur. Vous avez bah, c'est peut-être le cas, mais on est obligé de voter là. Et effectivement. Je comprends, mais faites vraiment attention. Alors, parce que pour le seul truc, c'est que si. JDG, c'est le seul que j'ai vu avec. Ouais, je comprends pas qui est le deuxième, moi. Mais en fait, c'est aussi. Sinon, ça peut être aussi le duo Jean Castex-MV. Oui, sinon, ils auraient pas pu tuer. Non, on était à gauche à ce moment. Moi, j'étais à light. Est-ce que quelqu'un sait ça? Je pense qu'il y a MV dans l'embrouille depuis le début, hein, mais on va voir. Donc voilà, c'est perdu. C'est moi qui mais ça ferait bien. Je sais pas, franchement, c'est elle a pris compliqué. Elle a pris vote, c'est... Soit il y en a un qui déteste son partenaire, soit. Je sais pas. Oh, putain. Les tâches ont quasiment fini. Je vais aller au cam, mais bon. J'ai un peu peur qu'on ait fait une connerie. Domingo MV. Peut-être Domingo MV. Bon, franchement, cette game-là, j'ai du mal à la visualiser. JDG qui rentre avec moi à sécurité. DFG qui se... sort de Medbay. DFG et Domingo qui restent ensemble. JDG MV. Ouais. GMV. Je suis pas sûr par rapport à la sortie de DFG.
suis mort. Domingo qui monte là-haut. DFG et JDG qui sont restés un peu en bas tous les deux. Hein. 04027. Ah bah c'est bon. Fallait fumer. Ah mais MV était dans la bouille. Putain, j'ai laissé trop de temps. Enfin, ah c'était MV, putain. Je me suis barré ton couteau, j'étais sûr. Ah mais j'étais en train de cliquer. En fait, je me suis barré. Je suis arrivé le premier là. Ah, c'est Nitail pour le Prime. Je vais aller en bas pour revenir tranquillement et tuer au bon moment. Ah c'était MV. Et en fait, t'es arrivé beaucoup trop tôt quoi. Ah sortie du buisson là, je t'ai vu là. Ah moi, je t'avais quasi innocenté MV, c'était terrible. Terrible, terrible. Y'a quelqu'un qui arrivait en haut là? Moi j'étais à l'O2 là. Oui, enfin, il allait arriver à l'O2. Ouais. J'ai laissé partir tout seul, j'ai un peu. Merci Wizvok pour les 300 bits. Strex pour les 11 mois. Les gars, Baguera, depuis le début, je vous l'ai dit. Hein. Ne vous oubliez pas de croire. Mais par contre, ce que tu m'as dit, c'était. Oui. On est entré dans la pièce, il y avait le corps, on était ensemble et j'étais. Mais t'avais raison, c'était Baguera. Ouais. Au revoir la VOD. Oui, on revient juste après, bien sûr.